tout ensemble, oui. Plus de 500 personnes qui n'ont pas de papiers qui travaillent jusqu'à présent. Il nous a licenciés. Un propre licenciement, on est allé voir Etienne qui est du syndicat, le syndicaliste de CNT, et qu'on a fait une demande au prud'homme. Et ça a été bien fait. Il y a quelques camarades qui sont passés comme moi. Ce que j'ai entendu, je suis satisfait. Mais en même temps, il y a eu ce mouvement. Et qui nous a consulté en disant que qu'est-ce que vous voulez. On voulait, ce qu'on voulait, aller vers l'ISS et aller occuper un lieu d'ISS. Et on a décidé ensemble avec tous mes camarades qui sont là. Il y a le délégué, le deuxième délégué qui est là, qui s'appelle Sylvie Baba. Il y a le troisième délégué qui s'appelle M. Traoré, je ne sais pas s'il est là, Moussa. Il y a le quatrième délégué qui s'appelle M. Touré, je ne sais pas s'il est là, et autres. Ben, on a passé l'action le 23. Et avant ça, le jour qu'on était rentré, ils ont amené encore des vigiles. Ces vigiles-là, ce sont des qui, ce sont des Serbes. Je m'excuse sur ce terme-là. Je ne suis pas raciste, mais je dois les parler parce que j'ai eu mal. Ils nous ont enfermés pendant 5 jours. Si tu sors, tu es au Mali. Si tu sors, tu es au Sénégal. Si la veille, tu ne rentres pas. Tu peux sortir, mais tu ne peux pas rentrer. Même le premier jour, Étienne a eu du mal pour venir nous donner quelques consignes. Il ne veut pas que Étienne rentre. Il faut une échange. Il y a un syndicaliste qui sort et l'autre rentre. Sinon, personne ne rentre pas. Tu sors, tu ne rentres pas. Quand même, nous sommes des hommes. On est resté calme et cool jusqu'à le 26, jusqu'à le 25. Non, jusqu'à le 25, j'arrive. C'était un jour de dimanche. On a fait appel à quelqu'un qui nous a aidé à envoyer des textos partout, à nos camarades qui ne sont pas eu le temps de rentrer, en disant que demain, il y a une action qui va passer. Il faut qu'ils viennent. Et avec ces mêmes syndicalistes qui nous accompagnaient en 2008, qui sont venus avec le mégaphone, le tam-tam et quelques-uns de ses camarades pour faire dégager les vigiles. Quand même, au temps mort à 10h, puis le tam-tam a sonné. On a pris les vigilants de ces vigiles-là. Et Etienne est sorti, il nous a dit, il est rentré, il nous a dit, monsieur Soumar, que vous voulez, j'ai dit, la force. Eh bien, il est sorti, il a dit, hop. On est rentré. On a mis les vigiles dehors, mais ça a été mal passé parce que le jour-là, Étienne était sonné par un vigile qui pèse au moins 200 kg, 2 mètres de longueur, 2,00 m. Moi, je viens pour la sauver. Il y a un vigile qui est sorti derrière moi, il m'a pris par le pied, je ne sais pas s'il voulait casser mon cou, bien quoi, il a cassé mes lunettes. Eh bien, on a essayé quand même de les dégager, on a réussi de les dégager. Il y a un de nos camarades qui a été arrêté depuis le 26, qui a été libéré mercredi passé. En mentant sur lui qu'il avait des couteaux, nous sommes là, on n'a même pas un couteau. Rien. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'il n'a pas de papier. Et les vigiles qui étaient fouillés, qu'on les a trouvés avec des armes et des matraques, qui étaient lâchés parce qu'ils sont en règle. Quand même, ils ont fait 48 heures de garde à vue, on les a lâchés. Mais M. Cheikh Koïta, quand même été emprisonné parce que pendant un mois ou un mois était poussière et que Étienne a tout fait avec les soutiens. Il était libéré le mercredi le 2. Et il va mieux, il salue tout le monde. Bon, et on est passé à la justice. C'est pas ce qu'on peut dire de ce côté, tu as raison cette fois-ci et la deuxième fois tu as tort. Voilà ce qui nous est arrivé. Ça se passe ici à Paris. La première fois ils ont dit que bon, ça va se calmer, on va reporter le problème à la semaine prochaine. La semaine prochaine on est allé, on est perdant. On nous a demandé de quitter le lieu. Et tout tranquillement, il y a Bernard qui nous a dit non. Deux que avant que les flics viennent, on cède la place. Et on est sorti tout tranquillement, mais on n'a pas cédé la grève. On n'a pas cédé tout le mouvement.
On est resté ensemble, on a rejoint nos camarades qui étaient à Port de Champéret. Quelques jours après, on a opéré des lieux, mais il y a quelques lieux qui sont impénétrables. On ne peut pas pénétrer à cause de ces vigiles, surtout au 18e. On ne peut pas. Et on a essayé de faire un rassemblement au niveau du CHIES, car ça a été réussi. Jusqu'à présent, rien. Il n'a pas agi de sa façon, c'est pas ce qu'il veut. Et on est allé lancer les tracts partout, dans les grandes sociétés où il y a ce travail, comme Cité de Sciences, qui est occupée par ISS comme un grand site au niveau parisien. Et à France Télévision, France quoi là ? France Télévision. France Télévision, qui a été passé. Quand même, on a fait quelques gestes quand même, au moins plus de 3000 ou 4000 tracts qui ont été partagés. Bon, Étienne a fait à tout, il n'a pas lâché Étienne. Franchement, il n'a pas lâché. La nuit et jour avec Bernard, ils sont là, localisés là où on peut rentrer. Il nous a dit, il m'a dit, son mari, j'ai trouvé un bon, nickel. Un bon côté qui est nickel. Je dis, c'est où? Il m'a dit, c'est un point top secret, je ne dis pas à personne. On est venus ensemble, sans rien savoir, et quand même, on a occupé cette locaux. Heureusement, bon, on a ses voisins qui sont là. Ils essaient de tout faire pour que les voisins puissent nous dégager. Ils ont dit qu'on n'a pas de problème avec les gars. Quand même à quel prix ils ne voulaient pas. Et ISS, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va courir vers la justice. Voilà ce que, là où nous sommes. Je crois que j'avais demandé à Étienne, comme délégué, qu'on doit faire un grand rassemblement devant la salle de ISS le lundi. Il a accepté. Et c'est moi qui ai décidé. C'est vous qui décidez. Voilà, on est d'accord. Bon. Et là maintenant, le lundi, avant le jugement, il y a quelques camarades qui vont aller nous soutenir au niveau du tribunal. Et je t'avais demandé à mes camarades de sacrer son refus de paye. Parce que si le patron ne voulait pas reconnaître en disant que lui, il n'est pas des salariés sans papier dans son société, on ne sait pas comment il a dit ça. On voulait aller montrer ces preuves-là au juge en disant que nous sommes bel et bien les sans-papiers de ISS. Moi, j'ai travaillé 3 ans, il y a d'autres qui ont travaillé 7 ans, il y a d'autres qui ont travaillé 9 ans, pas sur le même nom. À chaque fois, on te dit, monsieur, Soumaré, je suis Soumaré aujourd'hui. On dit, bon, tu n'es plus Soumaré, demain tu es Mamadou. On casse le contrat. C'est la même personne. Et un an après, ou deux mois, et le patron a couvert votre papier en disant que ce n'est pas vous, ce n'est pas pour vous, ce n'est plus Mamadou. C'est Jean. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et aujourd'hui, d'après lui, on travaille avec les papiers, mais ce sont des vrais faux papiers. Un vrai faux papier, c'est un papier de quelqu'un, ce n'est pas un papier. C'est un faux vrai papier, ce sont des faux papiers. Voilà la lutte que nous sommes aujourd'hui avec mes camarades. Nous sommes là depuis le mardi. Ça se passe bien pour le moment. Il y a des soutiens qui sont passés ici. Franchement, on est plus dur aussi, plus confortable que celle de la première fois. Et je vous remercie tout. Et au nom de mes camarades, Grévis, soyez le bienvenu. Et on vous demande votre soutien vers nous. Que ce soit n'importe comment. Que les gens qui peuvent aller nous soutenir au niveau du tribunal, au niveau de l'ensemble, les lundis et le mardi. Je vous remercie.